temps qu'il arrête de pleurer. Ça peut prendre du temps. Petit bonhomme. Un petit garçon. Moi aussi, je veux un petit garçon. J'ai que des filles. C'est nul. J'espère qu'on va pas trop entendre le petit bébé qui pleure derrière. Excusez-moi, c'est comme ça, les voisins, ils peuvent rien. Salut toi! J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, hein? Bah oui, hein? Non, pas tant que ça. Non, je fais des vidéos toutes les semaines, mais des vidéos face cam comme ça, c'est vrai que j'en fais quasiment pas. Bah, je fais que ces genres de vidéos-là. C'est-à-dire une fois par mois. Voilà. On s'en fiche. Bon, allez. Donc, ouais, aujourd'hui, je vais te montrer mes créations que j'ai réalisées au mois de février. Et il y en a une petite vingtaine, donc l'air de rien, il y en a quand même pas mal. Oui et non. J'ai déjà fait pire en tout cas, ça c'est sûr. et puis voilà, on va pas trop traîner, j'ai des petits trucs à dire, mais je sais pas. Voilà, faut que je les dise quand même. Désolée, faut que je les dise. Je sais même pas si tu t'en souviens parce que ça date d'il y a très longtemps. J'avais fait une vidéo proposition d'échange. C'était un flop total. J'ai eu quelques échanges, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais j'en espérais un petit peu plus. Donc du coup, là, c'est en stand-by, il m'en reste plein, et je sais pas quoi en faire. Donc je relance le sujet, on ne sait jamais. J'ai réalisé une vidéo proposition d'échange, j'essaie de la mettre en barre d'infos si je n'oublie pas, avec ma mémoire de poisson rouge. Et donc voilà, je voulais savoir si ça pouvait intéresser d'autres personnes. Voilà. Et du coup, si ça intéresse personne, la vidéo je vais la supprimer, je vais tout arrêter. Proposition d'échange, il n'y en aura plus jamais. Et quand j'ai des choses qui ne m'intéressent plus, je vais les donner à une association. Ou bien alors au centre de loisirs, il y en a un qui est juste à côté de chez moi là. Donc j'ai juste à descendre et puis hop, je lui donne mon carton et il se débrouille avec ça. Ça sera plus simple comme ça. Voilà. Moi je voulais partager avec vous si jamais il y avait des choses qui vous intéressaient, mais apparemment ça ne vous intéresse pas. Alors autant donner tout ça à une association, hein, ça sera mieux. Voilà. Oh, et puis vendredi, le jour où tu verras cette vidéo là, parce que là on est mardi, mais je poste la vidéo que vendredi, et je vais aller chez mon coiffeur. Et ouais, je vais changer de coupe de cheveux. Et ouais, tu t'en fous, hein? Ouais, mais je t'oublie quand même. Voilà. Alors, je vais changer qu'un seul petit truc, mais normalement ça devrait faire toute la différence. Mais j'ai peur que ça m'aille pas. De toute façon, ça peut pas être pire que maintenant. On verra bien. J'ai un petit peu peur. Hein. C'est un grand pas à franchir pour si peu de choses. Enfin bref, tu verras. Ah, et du coup, tu verras ça que le mois prochain, du coup. Parce que je fais que une fois, une. Comment. Je sais pas. Je sais pas comment tourner la phrase. Je fais des vidéos face cam qu'une fois par mois. Ah, quoique. J'ai une vidéo haul de prévue dans pas longtemps. Donc peut-être que j'essaierai de faire ça comme ça, face cam. Enfin après, les vidéos haul, ça intéresse très peu de monde aussi, comme les vidéos du bullet journal. C'est un flop total. Mais bon, c'est pas grave. Bref, du coup, ouais. Soit tu reverras ça dans ma vidéo haul, ou pas. Ou soit, il faudra que t'attendes le mois prochain. C'est con, hein. Tu verras pas ma nouvelle tronche. Bon, tu le crois pas grand-chose, t'inquiète. Et j'ai trop peur, ça se trouve, je vais... Quand t'as va venir, parce que oui, c'est ma coiffeuse à domicile, je vais pas chez le coiffeur. Plus jamais. J'y suis allée très peu de fois dans ma vie, mais plus jamais je remettrai les pieds chez un coiffeur, c'est terminé, j'ai compris ma souffrance. À chaque fois, je ressors les larmes aux yeux. Ah, si, non, plus jamais. Elle, ma coiffeuse à domicile, Hélène, ça fait des années qu'elle vient et j'ai jamais été déçue. Donc je suis contente. Alors parfois, je fais des entorses à la règle et puis je vais chez le coiffeur parce que par moment, elle peut pas tout le temps se libérer. Mais non, non. De coiffeur, c'est terminé maintenant. J'attendrai le temps qu'il faudra, mais je ne demande que Hélène maintenant. C'est fini. Bon, bref, on s'en fiche. Je n'ai pas là pour parler de coiffure. Hein. Oh là là, n'importe quoi. Je voulais juste te prévenir au cas où, hein, pour pas que t'aies de surprise quand tu verras Manuel Tronche arriver pendant la prochaine vidéo, quoi. Hein, voilà. C'était juste pour te prévenir, c'est tout. Donc, bref, ouais, je vais changer de tout au tout. Mais j'ai très peur de franchir ce pas. Mais j'ai qu'une idée en tête. Et moi, je fais jamais marche arrière quand j'ai dit, je vais jusqu'au bout. On verra bien, de toute façon après les cheveux ça repousse, non. Je vais juste avoir du mal à avaler la pilule si ça me plaît pas, quoi. Tant pis, on verra bien. Bon bref, allez, c'est tout, j'arrête de blablater et je vais vous montrer tout de suite mes créations du mois de février. J'allais dire janvier, mais non. Non putain, on est déjà au mois de mars là, la vache. Ça passe vite. Oh, il y a aussi un autre truc que je voulais te dire, si tu veux m'envoyer un mail, fais attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails que je n'ai jamais reçus.
Pourtant, j'ai vérifié plusieurs fois, les adresses mail que j'ai marquées en barre d'infos, elles sont correctes. Hein. Donc je comprends pas pourquoi. Il y a plein de mails que je reçois pas. Donc si je reçois ton mail, c'est vraiment que t'as un coup de bol monstrueux. Quoi. Parce qu'il y en a plein, mais plein que je reçois pas. C'est un truc de dingue. Sur, je vais dire une connerie, mais sur 20 mails à peu près, il y en a que 2 que j'ai reçus. Quoi. Alors, il y en a une, elle s'est pas fait chier, et elle a eu bien raison, c'est qu'elle m'a envoyé le même message sur mes 3 mails différents. Et au moins là, elle était sûre que j'ai... Et n'empêche, sur les 3 mails, il y en a que 1 que j'ai reçu quand même. Hein. Donc bref, c'est juste pour te dire, si tu veux me contacter en message privé, évite les mails parce que c'est pas sûr que je reçois. The. Bon bref, voilà. Et puis c'est tout. Bon, logiquement, si tout se passe bien comme à chaque fois, quand tu verras cette vidéo-là, normalement toutes les créations que je vais te présenter seront déjà disponibles sur la boutique. Ok, encore bugué, il a dit donc. Sauf si entre-temps elles ont été vendues, bien évidemment. Là, moi, je peux rien y faire. Hein. Bon bref, j'arrête de blablater et je te montre tout de suite les créations du mois de février. Putain, j'allais encore dire janvier, moi. Voilà, pour commencer, là, ça n'a rien à voir. C'est un petit bijou personnel que j'ai fait rien que pour moi parce que je voulais quelque chose de sobre, très classique, tout simple, sans chichi, sans machin. Et du coup, voilà, je me suis fabriqué ce petit collier-là sans polymère, rien du tout. Là, c'est que du montage. Un rat de cou, tout petit rikiki. Il est très discret, moi j'aime bien. Donc la première collection que je vais te montrer, c'est des petits bijoux sur la Reine des Neiges. J'ai retrouvé plein de petits cabochons comme ça qu'on m'avait donné et j'avais jamais su quoi en faire. Et puis ben là, je me suis décidée et j'ai fait voilà, tout plein de petits bijoux comme ça sur la Reine des Neiges. Ensuite, pour la collection suivante, je me suis encore une fois amusée à refaire des petites ailes de papillon en boucle d'oreille. Plein de petites paires, enfin 4 paires de boucles d'oreilles ailes de papillon. Et une petite paire en plus en forme de feuille. Ensuite, j'ai aussi réalisé un petit porte-clés avec Monsieur Stitch. Tout simplement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, on entame la collection de bijoux divers et variés. Il y a un petit peu de pouce, un petit mélange. Voilà. Donc pour commencer, j'ai ce petit bijou que j'ai voulu avec un effet de tissu froissé, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, dans un cadran en résine que j'ai fait il y a hyper longtemps. J'ai plein de petits cadrans en résine comme ça, je ne sais pas quoi en faire. Donc je vais commencer à les utiliser en essayant d'innover un petit peu à chaque fois. Enfin bref, voilà. Un petit cadre comme ça. Je trouvais ça rigolo. Ça change de d'habitude. Ensuite, j'ai un petit collier comme ça avec un effet de carreau de ciment. Pareil, encore une fois, voilà, tout simplement sans chichi. Enfin, entre guillemets, si je peux dire. Sur chacun de mes bijoux, ce mois-ci, j'ai décidé de faire une semelle plate à l'arrière, vers toute lisse. Pour changer d'habitude, je trouvais que c'était plus sympa. Et ce que je me suis amusée à faire aussi pour ce genre de collier-là, c'est que j'ai mis le fermoir sur le côté. Directement sur le bijou, je trouvais que c'était plus sympa, plus facile aussi à mettre. En tout cas, c'est juste mon point de vue. Ensuite, j'ai celui-ci qui a un côté un peu printanier et je commence à perdre ma voix, au secours. Bref, voilà, avec des petits papillons et des trèfles à 4 feuilles. Encore une fois, tous les bijoux ont des poncés et vernis à la main, bien évidemment. À part ceux que je peux pas poncer, hein, c'est logique. Bref, on s'en fiche. Ensuite, le suivant, bah, j'ai refait mon petit effet de cerise, comme ça. Voilà, avec un bijou différent du mois dernier. Excusez-moi, je vais y arriver.
Et pour aller avec, j'offre une paire de boucles d'oreilles dépareillées. Ensuite, encore un collier qui change de d'habitude. J'en avais déjà fait, mais il y a extrêmement longtemps. Et bah, du coup, ça m'a donné envie d'en refaire un. Une petite pièce de puzzle comme ça, avec une thématique engrenage, steampunk, rouage, enfin bref, voilà. Cet univers-là. Et du coup, je vais faire d'autres pièces de puzzle comme ça, avec à chaque fois des thématiques différentes. Donc là, c'est la première pièce de puzzle. Ensuite, les bijoux suivants, c'est un peu sur le thème de la mer, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc le premier, c'est ce petit collier-là qui me fait penser un peu à un collier un peu tahitien, dans cet univers-là. Donc voilà, avec un effet bois puis une petite tortue. Donc ensuite, un petit collier comme ça en trois parties sur le thème de l'eau. À chaque fois, sur chaque petit pendentif, on retrouve un effet différent que forme l'eau. Voilà, je sais pas trop comment dire, j'espère que j'ai pas été trop... j'ai été claire dans ce que je raconte comme connerie, moi. Il a aussi un petit côté un peu translucide, même si à la caméra, ça se voit pas forcément. Enfin, même pas du tout, j'ai envie de dire. Avec les restes de pâte du précédent bijou, j'ai réalisé un petit patchwork comme ça pour réaliser ce petit collier là en sautoir. Ensuite, la collection suivante, c'est un peu des bijoux dans un style ethnique, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc le premier, c'est celui-ci. Par contre, il a des couleurs quand même acidulées, donc ça fait pas vraiment ethnique. Mais le motif, oui. Donc voilà, c'est un petit remix, quoi. Bref, voilà. Ensuite, le suivant, c'est celui-ci avec la technique du bargello. Et lui, c'est mon petit coup de cœur, c'est vraiment mon petit chouchou, je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Et en cadeau, eh bien, j'offre les boucles d'oreilles qui sont assorties. Le dernier collier dans ce style là, c'est celui-là, voilà. Et pareil, en cadeau, eh bien j'offre la bague qui est assortie. Et on termine avec les trois derniers bijoux qui m'ont demandé le plus de temps, le plus de travail. Ils ont été beaucoup plus longs que les autres que je vous ai présenté précédemment. Applaudissez-moi s'il vous plaît, j'y suis arrivée.
dernier, c'est le grand retour de mes petites fées. Ouais, ça faisait une éternité que j'en avais pas fait, donc voilà. Une petite fée comme ça avec les ailes en résine, toujours mes petites fleurs lucides qui représentent bien le thème des fées, moi je trouve, en tout cas ça va super bien avec. Et j'aime beaucoup associer le rose avec le bronze, je sais pas pourquoi, mais souvent quand j'utilise des apprêts bronze, et bien j'utilise de la pâte rose, je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà. Donc voilà, une petite fée. Et elle tient entre ses mains un petit trésor, plein de petites perles. Ensuite là ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai voulu réessayer et j'ai fait un petit chat comme ça qui représente mon petit kiwi, c'est mon petit chat que j'ai essayé de faire. Bon c'est pas très ressemblant hein, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Les animaux ça reste toujours un casse-tête chinois à faire, c'est vraiment pour ma part ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Petit dernier bijou que j'ai réalisé, eh bien il s'agit de Groot. Alors je vais vous montrer une photo que j'ai partagée sur Instagram, j'ai retrouvé le premier Groot que j'avais fait en 2015, c'était une figurine, et du coup j'ai essayé de le refaire, mais cette fois-ci en bijou. Donc voilà, ça vous verrez la différence de ce que je faisais en 2015 et aujourd'hui. Alors encore une fois, il est loin d'être parfait, hein, parce qu'il est... J'ai l'impression qu'il ressemble à un vieux. Il est un petit peu trop ridé de partout, mais bon, bah voilà, bref. On fera mieux la prochaine fois, hein. On peut que s'améliorer avec le temps, c'est normal. Bref, voilà, c'est Groot. Et comme chaque mois, maintenant, je vais vous montrer à chaque fois les petites perles que je réalise aussi avec les restes de pâtes. Donc voilà, là j'ai tout ce... Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, j'ai quelques petites perles comme ça. Qui sont en stand-by, elles sont même pas poncées celles-ci, elles sont vraiment en état brut. Donc voilà, elles sont en stand-by. Je me répète. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui, encore une fois, était plus longue que prévu. Et bah oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, j'y suis pour rien. Je fais de mon mieux, mais ça change pas grand-chose. Bon, bref, voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me dire tout plein de choses différentes, hein, c'est vrai, même qui n'a rien à voir avec la vidéo, ça me dérange pas du tout. Mais... Donc pareil, si t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, c'est avec le plus grand des plaisirs. Donc il y a vraiment aucun souci. Pas de problème, tu peux compter sur moi. Donc bref, bah voilà, c'est tout. J'en ai fini, j'arrête, je coupe court, je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Avec une nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Allez, bye. Petit chat. C'est mon petit chat. Où c'est mon petit chat? Tu manges pas les plantes, hein? T'assumes, hein? C'est ça, je ne sais plus, je suis perdue. C'est Michel Fugain, ça. Oh purée! J'étais toute potée quand c'est sorti ce truc-là. Non, je sais même pas si j'étais née. Je suis sûre que j'avais autre chose à dire, mais je sais plus ce que c'est, ça m'énerve, ça. Qu'est-ce que c'est chiant, sérieux, je perds la mémoire, ça m'énerve. Je suis pas contente.